Bonjour à tous, c'est Succédant, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Dark Souls et vous vous rappelez peut-être de cette zone-ci, cette zone qui était tellement embêtante. Il dort ? Tiens. Bon, il m'a donné son bouclier, c'est cool. C'est cool, j'ai gagné un bouclier. Ah, oh, il y a des trucs encore là-bas. Wouhou! Toboggan. Ça a fait du toboggan. Non, pas vous. Traversez la fumée, traverse la fumée, traverse la fumée. Je suis où? Le lac Cendré. Wouah! Wouah! Que c'est beau! Wouah! D'accord, c'est un autre hydre. Il a l'air que c'est ça. Attaquer. Si je le tue pas à chaque fois, il va m'attaquer. Touché. Ah, il est mort. D'accord. Écaille draconique. Au moins, on l'a buté. Putain, 10 000 âmes. On l'a buté sans trop de gros problèmes. Ça, c'est cool. Il y a sûrement un moyen de continuer la route. Pas par là en tout cas. ouais, je vais me régénérer avant d'aller vers ça parce que c'est un dragon, ça non? C'est un dragon. Oh, c'est beau gosse ça. Alors ça, alors là, j'applique respect. J'applique respect. Je prête serment au dragon éternel. Pierre, tête de dragon, œil du dragon. Arrive. Faites-moi qui dort pas, faites qui dort pas, faites qui. Putain, il dort. Je vais me tuer. Il reviendra peut-être en vie. Ça passe en fait, je croyais que j'allais mourir, bah non en fait ça a fait comme si j'atterrissais en fait sur un petit nuage. Bon bah c'est parti pour me battre contre Gwen hein. Ouh d'accord, 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 de calme. Ok, bon, je l'ai touché. Mais il est classe par contre, hein. On dirait Poséidon. Ah! Putain! Où que ça va être dur contre lui? Où que ça va être dur? Aïe, 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 aïe. Non, il m'a attrapé. Il va me propulser.
Oh putain. Ratez. Encore un coup. On l'a battu. Âme de Gwen. On a battu Gwen. Rallumer le feu. Avec cette armure, ça te donne tellement. Oh putain! On a fini Dark Souls. C'était énorme. Waouh! J'en ai des frissons, franchement. J'aurais jamais cru pouvoir finir ce jeu comme ça, en fait. C'est. Le jeu m'a donné beaucoup de frissons, beaucoup de souffrance, mais. Dire. Ça s'est terminé, mais tellement soudainement d'un coup là, je veux dire, enfin... On a battu Gwen, on a battu les boss, on vient de battre Gwen, le boss de fin. Ce qui veut dire que Dark Souls maintenant est totalement fini pour moi. Je veux dire, l'histoire Dark Souls, le 1, est finie. C'est... Waouh. C'est mes impressions sur ce jeu, franchement, c'est que voilà quoi, je veux dire, c'est un jeu vraiment dur, qui éprouve, je veux dire, il faut pas lâcher le moment. Il y en a beaucoup, ils se disent comme ça, non, j'y arriverai pas. Mais il faut persévérer, et au bout d'un moment, on y arrive. C'est du die and retry. C'est, tu meurs, tu réessayes. Et il faut pas abandonner pour autant, pour avoir perdu. C'est... Voilà, je veux dire, le nombre de fois où ce que je me dis, j'arriverai jamais contre ce boss-là, pour finir, j'y suis arrivé. Orstein et Smog, ces deux-là, je les ai refait pendant 8 heures. Ils m'ont pris 8 heures à faire et je les ai eus. Manus, bon, il m'a pris beaucoup moins longtemps, mais je suis mort, mais beaucoup de fois aussi contre lui. Il m'a pris énormément de temps à faire. Lui, bon, ça a été assez facile, c'était le boss de fin, mais il était assez facile à faire, c'est dommage. Mais, bon, il faut savoir utiliser un petit peu les environnements autour de soi, parce que sinon je crois que j'aurais pas su le battre. Vous avez vu, hein, j'aurais pas eu les environnements, donc savoir le bloquer derrière des briques et tout pour savoir m'en aller. Ben, voilà. Dark Souls est fini. Dark Souls c'est fait. Artorias of the Abyss, ça c'était le DLC que j'ai fait, donc juste avant de battre le dernier boss. Donc d'un côté, heureusement que j'ai été faire tout ça. Que j'ai été battre Manus et tout ça ensuite avant de faire ça, sinon j'aurais pas su le faire parce que j'aurais pas su savoir que c'était la fin. Et voilà. Eh ben, j'y aurais jamais cru que ça serait fini aussi vite. Enfin, aussi vite. Bon, ça va quand même durer un bon moment. Mais je pense que le Dark Souls 2 là, ça sera un playthrough en entier. Je veux dire, on verra les combats contre les monstres, on verra sans arrêt, on verra peut-être pas mes allers-retours. Quoique peut-être, on verra. Ça sera à voir ça. Et voilà. Franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Et si vous voulez un jeu où ce que vous allez vous tuer, vous allez avoir dur à terminer un jeu, ce jeu est fait pour vous. Ce jeu est là, il va vous repousser dans votre dernier retranchement de difficile. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui rage très très facilement,
jamais, n'essayez pas de jouer à ce jeu. Ça sera franchement pas ce qu'il faut faire. Mais voilà, Dark Souls c'est fini. Franchement, je remercie franchement les gens qui ont créé ce jeu. Hein, c'est énorme. Je suis curieux de voir ce que va donner le 2. Le 2 va sortir pour moi dans un actuellement où ce que j'en suis là, où ce que j'ai filmé dernier épisode dans un mois sur PC et je pense que je l'achèterai parce que franchement, il vaut le coup. Il vaut le coup, je pense. Surtout s'il est aussi difficile que lui, ça me donnait vraiment envie. Et maintenant, voilà, c'est la fin totale de Dark Souls 1. À part bien sûr les NG+ par après et tout ce qui en suit, mais ça sera fait en live et tout ce qui en suit. Je vais pas vous refaire une deuxième série de Dark Souls 1 en NG+, quoi, ou des trucs comme ça. Enfin, je trouverais ça un peu bête. Et bien voilà, Dark Souls prépare Today Edition, DLC compris, enfin fini. Franchement, c'est énorme, quoi. Et voilà. Voilà comment ça reprend. Ça recommence une new game. Et voilà, on a de nouveau le truc de base, quoi. Sauf que là, voilà, comme vous pouvez le voir, on est armé. On n'a plus par contre les clés. Les combats sont plus durs. C'est de la folie, quoi. Ça va être énorme aussi, ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bien sûr à plus tard. Allez, tchuss tout le monde !